à vous toutes et à vous tous. Il est 18h tout pile, vous êtes sur 01 Net TV. Nous sommes en direct en ce jeudi 13 juillet 2017. C'est parti pour 01 en live et Do. Jérôme. Bonsoir. Salut François. Bonsoir à tous. Le futur iPhone oh, euh, sera-t-il prêt à temps pour la rentrée oh. Sera-t-il privé de ses principales innovations oh, Ça coince nom. chez Apple. Il y a des problèmes apparemment. Jean-Sébastien Zanqui, ce soir, va tout nous expliquer. La voiture autonome, oula, gros morceau. Cette voiture autonome arrive pour de bon, les amis. Audi dévoile l'A8, qui est l'un des premiers véhicules de série capables de rouler tout seul. Problème, on n'en a pas le droit. <laughs> et euh, bon. En tout cas, pas partout. Et David Nogueira, qui est ici, qui est entier, hein, puisqu'il a testé cette voiture, visiblement ça marche, va nous en parler tout à l'heure de cette Audi A8. C'est l'événement de cet été. L'actu cette semaine, c'est également cette grosse mobilisation en faveur de la neutralité du net, la neutralité d'Internet. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, ça vous concerne. Delphine Sabatier va venir nous expliquer pourquoi tout à l'heure dans sa chronique Zoom Actu. Jérôme, il a tout pour plaire. C'est le meilleur je sais, smartphone je sais que tout de pour ce début d'année. <laughs> non, mais ça c'est vrai, toi, évidemment, la question ne se pose même pas. C'est pas de moi que tu parles. On parlait de smartphone. Le meilleur smartphone de ce début d'année... Pour Raphaël Grabi, c'est le 1 5. Mmh. Et ça a fait couler beaucoup d'encre au sein de la rédaction de Zeronet.com parce que la concurrence est dure. Il va essayer tout à l'heure de nous convaincre. En revanche, François, l'Asus Zenfone AR n'a pas vraiment emballé Jean-Sébastien Zanqui. Non, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Il est avec nous, Jean-Sébastien, et il va nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Vous savez quoi, c'est le 150e numéro de Zéro en ce, ce, ce soir. Vous vous rendez compte On avait démarré en janvier 2015. 150 numéro. Donc merci de votre fidélité. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti. 150 numéros, Jérôme, mais t'as pas vie. Non, 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 non es toujours Formidable. le même. Depuis le début, oui. dans 01 live Live Hebdo, on vous propose la question 01 Net Orange. Question d'actualité vous nous donnez votre avis cette semaine. Quel est selon vous le smartphone qui a le plus marqué ce début d'année 2017 Alors voilà, on a, vous en a sélectionné quatre oui. euh, le LG G6, le OnePlus 5, le Galaxy S8 ou le Huawei P10. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Lequel vous a fait euh, le plus frissonner <laughs> oh, ce smartphone m'a fait frissonner, ça c'est tout, fou. Jérôme. 3.01.tv.com pour voter. Allez-y, votez, bien évidemment, on fera un point dans quelques minutes sur les premiers résultats de ce sondage. Alors, on ne parle pas dans ce sondage, évidemment, de l'iPhone, puisque l'iPhone 7 commence à dater un petit peu, ce n'est pas, pas un téléphone très récent, mais en revanche, on parle de plus en plus du futur iPhone, Jérôme, qui va bientôt arriver. Enfin, oui, si tout alors va bien. en, principe, en si principe, tout va bien, voilà le futur iPhone attendu en principe euh, donc pour euh, septembre, présentation septembre, sortie octobre. Oui, si tout va bien, si tout va bien comme, des, comme chaque année d'ailleurs. Sauf que eh bien, le web ce de rumeurs et de bruits <laughs> inquiétants. Il paraît que chez Apple, c'est un peu la panique. Mmh. Euh, il, il n'arrive pas à le mettre au point ce nouvel iPhone, Jean-Sébastien Zanqui. Oui, c'est un petit peu les, les échos qu'on a eus, là cette, cette semaine, euh, par notamment un site qui s'appelle Fast Company, qui est en général bien renseigné sur, sur la question. Euh, selon, le, selon le journaliste, et surtout selon une de ses sources euh, à l'intérieur d'Apple, euh, il y aurait carrément un vent de panique chez Apple concernant l'iPhone 8 euh, c'est à dire que certaines des fonctionnalités phares de, de l'iPhone 8 ne seraient pas prêtes tout simplement Nickel, euh, ces deux fonctionnalités qui, euh, qui, sont, qui sont concernées c'est tout d'abord la reconnaissance faciale 3D, mmh. c'est à dire euh, on sait que l'iPhone voilà, 8 aura certainement un écran OLED sur toute la face avant, donc pas de capteur d'empreinte digitale euh, en face avant ou peut-être intégrer l'écran mais c'est pas encore sûr mmh. alors pour suppléer ou alors peut-être compléter ou remplacer, on sait pas encore très bien euh, ce système d'authentification oui, parce qu'il y a encore un peu de secret quand même. Hein. Exactement. Euh, Apple euh, voudrait utiliser un système de reconnaissance faciale, comme ça existe d'ailleurs sur le Galaxy S8, par exemple. Mais là, ce sera un système de reconnaissance faciale 3D, c'est-à-dire qu'il euh, faudrait que ce soit un vrai visage et non pas la photo de la personne qui, ne sert, euh, qui sert à déverrouiller. On, peut, on sait qu'on y arrive avec le S8, euh, c'est quand même un, un gros souci de sécurité. Donc, il, faut, il faut un objectif spécial. Des Alors, objectifs voilà, spécial. il faut euh, Il faut, oui, il faut, il faut une, il y... une analyse des traits qui soit plus fine, etc. Exactement, des capteurs de profondeur, des, oui. des choses comme ça. Euh, euh, matériellement ça serait euh, ça serait tout à fait prêt mais au niveau logiciel apple euh, serait pas pas tout à fait encore euh, content du résultat euh, on imagine qu'ils veulent quelque chose qui soit rapide qui soit efficace euh, à 100% ou presque euh, donc euh, de ce côté là euh, apple est complètement euh, apparemment dans les choux par rapport à ce que à leur plan de à leur prévision leur, leur calendrier tout simplement hein. incroyable. Ouais. alors j'imagine tu sais les, les, les grands open space d'apple où il y a les, euh, tous les tous ces ingénieurs qui courent dans tous les sens en disant on n'est pas prêt on n'est pas prêt on panique on panique non ça va bien euh... se passer quand même on va y arriver j'espère oui oui et puis en, en plus le, le truc c'est qu'il y a encore un autre système Système qui n'est pas encore au point, c'est le système de rechargement sans fil. Aïe. On parle aussi de ça pour, pour, pour le futur ça iPhone. Ça marche déjà sur le C'est pareil. Ils utiliseraient le, ils utiliseraient le standard euh, qui est Qi, vous savez, Qi, euh, mm -hmm. qui est un standard euh, qu'on connaît dans la téléphonie. Euh, mais euh, là aussi, ça serait du côté logiciel qu'Apple ne serait pas content. Euh, ils veulent certainement l'adapter d'une manière ou d'une autre à leur, à leur iPhone, et ils seraient pas contents. Alors. L'idée, ça serait que l'iPhone alors euh, pourrait avoir soit du retard, soit pourrait sortir avec euh, euh, le matériel qu'il faut, c'est-à-dire le capteur qu'il faut en façade pour la reconnaissance 3D, euh, la puce qui permet le rechargement sans fil, mais que ces fonctionnalités ne seraient pas activées, en fait, tout simplement, dans l'iPhone dans qui sera Et sera dans les prochaines mises à jour d'iOS. Exactement. 11. Et en fait, c'est quelque chose qu'Apple a déjà fait, puisque ouais. dans l'iPhone oui. 7 Plus. Euh, avec le mode portrait. Exactement. Euh, photo, le ouais. double capteur permet ce mode portrait avec cet effet bokeh, cet effet de, de flou qu'on qu on voit en arrière-plan. Qui est très joli, euh, mais euh, ce n'était pas à la, à la sortie de l'iPhone 7 Plus. C'est arrivé en novembre, ensuite, donc euh, deux mois après sa sortie, où il était disponible euh, à tout le monde, mais pas à la sortie. Donc euh, ça serait quand même assez fou que Apple euh, n'arrive pas à sortir ouais. deux fonctionnalités majeures, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Donc euh, ça, ça serait un peu un aveu, un aveu d'échec pour, pour Apple. Et puis euh, euh, l'histoire du, voilà, du capteur d'empreinte, euh, s'il si n'y a pas de reconnaissance faciale, il va forcément y avoir un capteur d'empreinte ah bah quand oui. même puisque euh, l'app store on s'authentifie avec sur le Apple capteur P, Apple ouais, Pay s'authentifie avec on est obligé d'avoir impossible à... d'avoir un système de reconnaissance quel ouais. qu'il soit quoi d'authentification. Donc euh, voilà, on va voir ce, qui, ce que ça va donner mais bon, bon un peu près, de ah, un peu de un peu de panique en moment chapelle et voilà, il reste quelques semaines, jours pour finaliser tout, tout ça, parce qu'il faut qu'il rentre en production bientôt. Capteur d'emprunt qui ne marche pas, euh, le la recharge par induction qui ne marche pas, le, le système de reconnaissance euh, le le biométrique ils qui ne ils marche pas. Avec... Hein, Rappelez-vous comment a été, fait, a été fait le premier iPhone. Oui, oui, oui. Euh, à quelques mois du lancement, euh, il n'y avait rien qui fonctionnait. Bon. Tout à Et fait. Puis, euh, Et euh, Attention, tout ça, ce ne sont que des rumeurs, hein, les oui. amis. Peut-être qu'il <laughs> y a des <laughs> ingénieurs fait... d'Apple qui rigolent en se disant, ah, oh, regardez-les, mais tout <laughs> fonctionne en fait, ils croient qu'on en panique. Pas du tout, tout va bien. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai, c'est possible. Hein. Après bon, c'est des, voilà, des sources a priori fiables, ouais. mais euh, tout est tout est possible. Et pendant ce temps-là, nous on parle d'Apple. Et bon, voilà, tout est tout va Et oui. super, super. On a oublié de vous dire que, comme d'habitude, depuis 150 numéros, ce 01 Live est interactif. Oui. Vous Oula. pouvez réagir, poser vos questions tout sur à Twitter, fait. hashtag 01 Live, ou par fax au 04. Non, <laughs> non le fax ça ne marche plus. Hein. Je crois Jérôme, on l'a débranché la semaine dernière. Le fax a été, a effectivement été débranché, déconnecté. Oui, oui, oui. oui, oui. Donc à Twitter, hashtag 01 Live, On Ouh. reçoit toujours les courriers papier. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr beaucoup de, de voilà. déclarations d'amour pour Jérôme. Et donc aussi, autre moyen pour discuter avec nous, c'est via les commentaires YouTube. Hein. C'est pratique, puisqu'on est en direct sur YouTube. Vous pouvez nous laisser ah, un petit bien. message. Non. Noémie, gère tout ça de main de maître, comme d'habitude. Alors, on va passer de l'iPhone à la voiture. Oui, mais pas on est comme ça, la voiture. Mm -hmm. Il est avec nous, c'est David Noguera. Bonsoir David. Bonsoir. Monsieur, Monsieur Zero Drive, on peut le dire. Hein, oui, comme ça. Le dire comme ça. Comment oui. ça va David Très, très bien. Très David très bien, était oui, à bien. bord de l'A8, les amis, ces David, derniers journée. David... Il frimait à ah, Barcelone. Moi, je statique, le voyais sur hein. les réseaux on va, sociaux. Voilà, on n'a pas, pas, pas roulé avec. C'était une presse statique, mais ah, oui. impressionnante. Impressionnante. Alors ça c'est une petite démo puisqu'on l'a vu la veille du, du, du reveal officiel qui était, euh, qui était le mardi, et euh, mardi 11 donc. Et donc quelques petites images tournées en studio, ce qui nous a surtout permis de rencontrer les ingénieurs et d'être euh, bluffés. Ingénieurs et puis designer extérieurs et intérieurs parce qu'il y a énormément de boulot qui a été fait. Alors euh, moi aussi dans mon A8, il y a un chargeur chi mais il fonctionne. Mmh. <laughs> et il y a plein d'écrans surtout, un travail incroyable de la part d'Audi avec cette planche de bord. Alors, c'est des choses qu'on avait déjà un petit peu vues au moment du CES, deux écrans tactiles, un retour haptique pour euh, avoir cette sensation de, de feedback, en fait, lorsqu'on appuie sur les boutons. Ce qui est un petit détail avec un énorme impact, c'est-à-dire qu'on sait lorsqu'on appuie sur ce bouton. Oui, sûr, ce important. qui est très important lorsqu'on conduit, parce que bah, ça évite oui. de chercher euh, la petite zone tactile, de, se dé de détourner le, le regard euh, trop de la route pour aller euh, appuyer euh, sur, euh, sur, euh, sur ces fameuses touches tactiles. Là, très rapidement, avant d'arriver sur, euh, sur ce qu'on a vu Vu à l'instant à l'image, c'est comme on est sur un véhicule très premium. C'est des aérateurs oui, qui sont autorisés. C'est la voiture flagship d'audi. Ah c'est oui, hein, le vaisseau amiral de la vaisseur marque amiral. avec des écrans LCD. Ça d'ailleurs un vaisseau amiral. 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 Alors c'est à partir de 90 000 euros. Oh, bon oh, voilà. Tout. Donc euh, donc voilà ouais. donc effectivement ça tousse là-bas et, euh, et quand il... on n'a pas toutes les options pour ce pays là Non non évidemment. On n'aura surtout pas c'est le gros gage en tout cas la grosse promesse d'Audi qui est la conduite autonome de niveau 3 puisque cette Audi, elle est équipée de série à condition d'y mettre euh, les, les moyens enfin d'acheter les options bien évidemment. Ah, donc c'est pas de, de tous les senseurs etc Ah bah de série euh, c'est-à-dire -dire dire dans un <laughs> bah, c'est de ce quand on dit de série euh, dans un véhicule c'est-à-dire que ça peut sortir d'usine euh, un véhicule peut avoir un c'est pas dans l'offre de base c'est proposé dès sa, sa sortie. pas dans le modèle à 90 000 euros. Non, on va avoir va falloir mettre un petit peu plus ouais. pour un aller s'acheter son, son, euh, son lidar, c'est pas un prototype, c'est plus du prototype. Je peux acheter ces options sur ce véhicule, c'est le premier véhicule. C'est le premier véhicule. Exactement. Alors en fait... Évidemment, quand on se retrouve dans une conférence comme celle-ci, surtout qu'elle a été animée avec un truc de dingue, cette A8, elle a été portée par un vérin mécanique. Je sais, pour ceux qui nous ont suivi un petit peu sur Facebook et Twitter lors de la conférence, il y avait quand même un bras robotisé qui portait cette voiture qui fait quand même 5,20 m de long et qui ah oui. animait dans un faux décor, en fait dans un décor projeté de ouais, enfin, cette rouler animation. Quand même. Donc on ne l'a pas vu rouler parce mmh. que c'était une présentation statique comme il en existe beaucoup dans, dans l'automobile. Il y a des vidéos qui circulent sur les capacités de conduite autonome qui sont pour l'instant que des vidéos de représentation ouais. 3D mais évidemment il va falloir comme tu le disais françois que la législation le permette ce qui est sûr c'est que comme on a une Tesla qui est très très efficace avec son pilotage automatique on a aussi des messages d'alerte lorsqu'on lâche les mains ou d'un moment elle dit attention reprends la main là donc ça ne sera pas elle plus est le cas. plus ou que la Tesla ou elle, elle la est la même chose alors ça va être compliqué ça il va falloir ah. vraiment le tester parce que effectivement quand on est dans un événement comme ça on se dit ok les mecs, ils sont très très forts. Et je vais vous aussi vous expliquer pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que le pilotage automatique de Tesla fonctionne aussi très bien. Mmh. Celui qui est sur série 7, la, la délégation de conduite, fonctionne aussi très bien parce qu'ils ont des capteurs qui sont quand même bien performants. Là, je pense que sur Audi, on est quand même un cran au-dessus, même s'il ne faut pas oublier que les Tesla qui sortent actuellement d'usine sont équipés des capteurs qui serviront pour la conduite full Mais... autonome chez Tesla. Ouais. Alors attends, ça parce se que. Le... De l'activation logicielle. Pardon, mais la voiture autonome, c'était cela. Ça veut dire que 1. Elle peut suivre la file. Exactement. 2. Elle peut changer de fil. Elle garde la vitesse oui, et elle s'adapte en fonction de la voiture qui est devant. Et 3. Elle peut sortir de la file si tu lui demandes. Exactement. L'étape d'après, c'est quoi C'est de suivre une navigation GPS, par exemple. Alors, il y aura toujours ces problèmes de navigation GPS. Ça ne pourra pas être exclusivement ça. Il faudra toujours qu'il y ait la redondance de capteurs, ce qui se passe autour. Et la, le véhicule devra être capable de se positionner. Au-delà euh, de la position GPS qui peut ne pas suivre. C'est-à-dire qu'il y a mmh. des technologies comme le LIDAR. Donc, cette Audi, elle peut intégrer un LIDAR. Et ça, c'est quand même une, une, belle, une belle performance parce que c'est un capteur qui coûte très cher. Hein. Lorsqu'on parlait des premiers véhicules autonomes, c'était ouais. des technologies qui coûtaient 50, 60 000 euros. Hein. Donc euh, là, on est quand même sur un véhicule. Ouais, c'est là où c'est vraiment évidemment. une première. Voilà, c'est euh... là, là où on est vraiment sur, sur, sur une première. On a, euh, donc, il y aura toutes ces technologies-là qui seront capables de détecter des obstacles et permettre à cette Audi de se positionner. Là, on la voit dans un flux de de, de véhicules parce que il reste encore pas mal de petits points à éclaircir évidemment est ce qu'elle pourra changer de voie seule là on est vraiment sûr mmh. à moins parce de 60 km heure de changer de voie c'est ça le truc à moins de 60 km heure elle, elle peut conduire seule pour okay. l'instant est ce qu'elle va pouvoir changer de voie etc je mmh. pense que Tout ça, ça va aussi arriver avec la législation. Qu'est-ce que la législation autorisera euh, Qu'est-ce qui sera possible de faire dans ces phases de délégation de conduite Tu as sorti tout à l'heure le mot magique. Elle est donc validée comme étant une voiture autonome de niveau 3. Oui. Il y a six niveaux en tout. 5. Hein, ouais. D'accord. Donc on est à mi-chemin. On est à mi-chemin, tout à fait, oui. Euh, sur de, de, ces, de ces phases de délégation autonome. L'étape d'après... Chez certains constructeurs, ça va être euh, je lâche les mains et, euh, et je ne touche plus au, au pédal. En fait, ce qu'on appelle eyes off, hands off, on est déjà là-dessus, sauf que c'est moins de 60 km/h. L'étape d'après, c'est à toutes les vitesses. Et certains parlent même que niveau 4, on pourra commencer à tourner le doigt à la route. Oui. Et en cas d'urgence, le véhicule, le véhicule euh, se stoppera automatiquement. C'est-à-dire qu'on va recevoir un message d'alerte. Soit on reprend le volant, ça sera le cas aussi ici, mais là, soit on a le dos tourné à la route et puis on reprend le volant et on se dégage d'une situation d'urgence, euh, soit ça sera un opérateur, certaines marques comme Nissan envisagent d'avoir des opérateurs qui sont capables de prendre la main à distance pour faire bifurquer le véhicule, et là on arrive carrément aux véhicules de niveau 5 qui sont les véhicules 100% autonomes et qui peuvent se déplacer mmh. tout seuls. on leur donne une adresse, ils vont vous chercher au supermarché, bien. etc. Et bien évidemment, <laughs> cette audi, elle est assez dingue parce qu'en plus, elle peut se garer toute seule dans un parking. Donc il y a tous les process de... Enfin, les, toutes les phases de test qui sont avec des parkings pilotes où les passes de parking sont connectées. Je dépose ma voiture à l'entrée du parking et puis elle va se garer toute seule. Mmh. Et d'ores et déjà, on peut lui demander de se garer dans son, dans son garage ou dans une place de stationnement qui serait trop, trop petite pour sortir du véhicule comme on en a plein dans Paris. Donc c'est officiellement la première voiture donc de niveau 3, Oui. Euh, elle sort quand Elle sortira à partir. Hein, C'est-à-dire qu'il va y avoir Francfort. Donc les premières commandes vont arriver à peu près à ce moment-là. Je pense que fin d'année, début d'année prochaine, on, on, on devrait commencer à, commencer à en avoir l'avoir. En après encore une fois, il hein, y a une législation qui doit bouger. Hein, et, oui. bah, et pour ça, c'est bah, après. Euh, il ouais. si... y a Caribou qui nous demande lors d'un accident avec une voiture autonome, est-ce qu'on peut accuser l'ordinateur eh, question non on est censé est pas moi c'est d'ordi alors il a, a pas de on va avoir des autonomes. discussions quand on va avoir des clashs bah euh. je pense que la loi dira que vous devez rester euh, vous devez rester euh, mettre à bord du véhicule en tout cas tant qu'elles ne seront pas certifiées par exemple de niveau 4 ah bah oui parce que niveau 3 est on est censé être derrière le volant de être capable de lâcher les mains exactement. sur la tesla quand on lâche les mains trop longtemps elle s'énerve oui alors elle m'a même elle... fait un coup extraordinaire elle s'est une claque elle elle m'a grondé et elle m'a puni Ouh, pas bien, hein. Elle m'a grondé, elle m'a puni, c'est-à-dire qu'après, elle voulait plus se mettre ouais. en mode autonome. Il faut s'arrêter, il faut couper le moteur. Il voilà. enfin, obligé de m'arrêter, le... de la caresser, de lui parler gentiment. Bah, ça, ça a été euh, la contrainte et qui a ouais. été demandée suite aux différents accidents de C'est assez vexant quand la voiture t'engueule, tu vois. Te dis, euh... non, <laughs> alors, vous faites n'importe quoi, euh, ça ouais. suffit. Là, il y a juste un, un petit plan qu'on voit derrière moi, parce que c'est vrai qu'on est sur un véhicule qui coûte très très cher, mais c'est aussi parce qu'il est, euh, est complètement dingue. Hein, L'intérieur, le multimédia, évidemment, on a une vidéo plus complète qui arrive, mmh. mais elle a ses suspensions pilotées et là. Par exemple, ce qu'on voit à cet instant précis, c'est qu'on connaît les suspensions pilotées, mais là, chaque suspension est pilotée. C'est-à-dire que chacun des amortisseurs est couplé à un moteur qui peut gommer les, les déformations de la route, les nids de poule, etc. Mais aussi, en cas de choc latéral, euh, protéger les passagers en surélevant la hauteur de caisse afin que justement. Mmh. C'est une nouvelle se forme de complète. protection finalement. Ah mais là ils sont dans une dans des technologies de pointe, c'est juste incroyable, Vraiment, Il y a Romain il... sur sur euh, YouTube qui nous dit, on voit rouler cet Audi dans le dernier Spiderman. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Alors Spiderman ah oui. était là, ouais, et donc était là, était ah, oui, là. Justement parce que je pense oui. que c'était un c'était un des c'est un qui... des véhicules du, du film. Ah, okay. et oui, oui. puisque maintenant c'est la promotion. De, de ces véhicules passe aussi par les, les, les grosses superproductions euh, de films tels que Spider-Man. Merci beaucoup David Noguera Merci. pour ce coup d'œil sur euh, cette, cette voiture ça du ça futur. Donne envie, hein, ça donne envie, ça donne envie. Vraiment, la, la voiture autonome, c'est un sujet qui est passionnant ouais. et on va vivre des trucs incroyables dans les années qui viennent. Bon, la neutralité du net, euh, c'est compliqué mais ça nous concerne tous, on tout vous le disait. Fait. Et Delphine Sabatier, il back dans 01 Live Live Hebdo, c'est tout de suite. Mais avant d'accueillir Delphine, eh bien notre question 01net Orange de ce jeudi soir. Alors qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui eh, eh bien eh on bien... vous demande de choisir. Euh, c'est compliqué. Quel est le smartphone, à votre avis, qui vous a le plus marqué ce premier semestre 2017 Ah regarde, pas mal. Galaxy S8 en tête. Et eh oui, Suivi logique. de OnePlus 5. Oh, yo, yo, on oui. va en parler tout à l'heure avec Raphaël puisque ouais. c'est son chouchou de l'année. Le Huawei P10. C'est juste derrière. FHG. G6. Voilà, ouais. alors ça c'est une première photo hein, de, de ce sondage, n'hésitez pas. Continuez à voter, ça se passe sur www.0nettv.com Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir Jérôme, Salut. bonsoir François. Salut Delphine. Salut Vies. Delphine qu'on retrouve comme tous les jeudis soirs pour sa chronique Zoom Actu. On fait un zoom sur un fait d'actualité qui s'est déroulé hier en fait. Grosse journée, grosse journée d'action en faveur de la neutralité du net. Plusieurs Grands sites se sont mobilisés. C'est quoi l'enjeu, Delphine Sabatier L'enjeu, c'est de vous y intéresser. C'est le gros <laughs> défi toujours que je toujours, vais essayer toujours. de relever aujourd'hui. C'est vous intéresser à un sujet euh, qui euh, fait en général bailler un peu tout le monde. Non, Alors, vous qui nous regardez, ne zappez pas. Non, vous allez voir, c'est passionnant. Voir. Et raconté par Delphine, c'est top. Non, mais c'est surtout hyper simple en fait. On a l'impression que ça recouvre <laughs> des notions très complexes. Pas du tout. C'est très simple à comprendre. C'est important de s'y intéresser parce que bah, c'est l'Internet tel qu'on le connaît euh, tous qui peut être menacé et qui peut être transformé. Ça peut vous coûter de l'argent. Euh, ça peut euh, aussi vous retirer bah, des services auxquels vous accédez euh, librement. Donc c'est important d'en de, de, parler aujourd'hui parce qu'hier, il y a une grande mobilisation aux États-Unis. Euh, ce sont des dizaines de milliers de sites qui ont affiché des messages. Vraiment protestataire pour dire nous, on est contre euh, le, le, le retour vers un internet qui soit euh, euh, des contrôlé, la neutralité, voilà, et qui ne soit plus celui qu'on connaît en fait depuis le début, qui est libre, qui est ouvert, et qui permet surtout à tout le monde d'accéder à l'ensemble d'internet de, de la même façon, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, peu importe euh, bah, mes revenus, peu importe mon opérateur, je vais accéder au même Internet que mon voisin. Ça semble évident. Et pourtant, eh bien, ça veut dire qu'on considère qu'Internet, c'est un, un bien public. Et, et donc que tous les opérateurs doivent nous offrir le même service. Je n'ai pas un Internet différent en fonction de mon opérateur. C'est ça aujourd'hui la neutralité du net. Alors justement, à quoi ressemblerait cette neutralité sans la neutralité, justement, si on enlève la neutralité des... sur Internet Et ben On pourrait imaginer par exemple que euh, je dois choisir entre Deezer ou Spotify. Euh, que euh, certains services vont devenir payants parce que mon opérateur estime que ça lui coûte beaucoup d'argent de proposer ce service. Que l'opérateur qui euh, possède des médias eh bien, décide de mettre en avant uniquement les sources d'information, les chaînes de télé qui lui appartiennent et non plus par exemple 01Net TV. Ah bah oui. mmh, voilà. Donc nous on embêtant. veut être euh, accessible partout chez tous les opérateurs. Ce serait un Internet qui serait euh, modifié, qui pourrait même être censuré. On pourrait avoir une liberté d'expression qui serait revue là aussi par les opérateurs. On peut tout imaginer, à partir du moment où ils ne sont plus tenus mmh. d'offrir le même Internet à tous, on peut tout imaginer, on peut imaginer aussi que ça va nous coûter très cher, que si on veut accéder à un Netflix de bonne qualité, avec un super débit, de la haute définition. Il faudra rajouter quelques euros pour avoir l'option Netflix. Voilà. Au débit, euh... Et que mon pauvre voisin qui lui n'a pas payé, eh bien Netflix, il pourra toujours courir pour s'y connecter, ce sera très compliqué. D'ailleurs, on a un peu connu ça à une période, mmh. les opérateurs, Bridel, Peer-to-Peer et certains services. Voilà, aujourd'hui la neutralité vient de, la de Free avec YouTube. Avec notamment. YouTube. Aujourd'hui la neutralité du net eh bien, elle empêche les opérateurs de faire ce genre de pratiques. En tout cas, elle met des règles qui interdisent mmh. ça. Mmh. Mais bon, c'est ce, vrai que c'est compliqué aussi dans l'autre sens parce que euh, quand vous avez un, un acteur genre Netflix qui bouffe toute la bande passante à lui tout seul, bon, enfin bref. Pourquoi on en parle maintenant de eh cette bah, justement, on en parle pour ça. Tu as tout à fait raison Jérôme, c'est une question de gros sous en fait. C'est parce mmh. que les opérateurs eux ils en ont marre. Ils disent voilà, nous, Internet au début, c'était sympa, il y avait deux, trois mecs qui chattaient entre eux. Aujourd'hui, il y a des services comme Netflix, euh, oui. il y a des Facebook Live, il y a des, voilà, ce sont des contenus qui prennent énormément de place dans les tuyaux oui, oui. et donc qui coûtent de l'argent, il faut des infrastructures toujours plus importantes et aujourd'hui qui payent principalement les opérateurs. Et donc ils disent on en a marre, il faut que tout le monde participe à ça. En vrai, euh, la négociation, il faut qu'elle se fasse entre les opérateurs. Et les fournisseurs de services, il faut que les Google, euh, les Facebook, euh, tout ça participent aussi. Donne de l'argent aux opérateurs. Voilà, à, à modifier ces infrastructures, mmh. à les faire évoluer, parce que évidemment, eux aussi, c'est leur intérêt que leurs services soient bien desservis. Donc pour l'instant, c'est une guerre commerciale entre eux, et euh, on se dit, bah, finalement, c'est plus simple si on fait payer l'utilisateur final. Eh oui, ah oui, parce que là, dans ce cas-là, tout le monde est content. Nous, on paye une petite somme, on a un beau service tout mignon. Les opérateurs, eux, ça leur permet d'innover sur leurs infrastructures. Et les fournisseurs de services, ils restent un service gratuit. Mmh. Voilà. Donc voilà, est-ce que, Netflix, est -ce que les Netflix et YouTube, les Amazon Prime Video vont payer les opérateurs C'est le gros débat. Hein et c'est un vrai, vrai. débat aujourd'hui aux oui, États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu une mobilisation importante hier parce que Donald Trump a quand même lancé un signal un peu alarmant. Il a mis à la tête de, du régulateur des télécoms américains un opposant, un fervent opposant à la neutralité du net qui a même dit que la neutralité du net c'est une erreur. Donc voilà, donc là Allez. en ce moment il y a vraiment des débats en cours, ça, ça se joue là-bas. Pour l'instant, ça se joue pas en Europe, mais on se dit que si les, la, la donne change aux États-Unis, ça, ça nous peut nous retomber aussi. sur la tête aussi. Oui, bien sûr. Donc on suivra ça. Merci Delphine. Voilà. Merci. Ce sujet passionnant, n'est-ce pas Mais Absolument. écoutez, <laughs> je, je suis sûr que sur euh, les réseaux, tout le monde a bien compris euh, eh bien cette neutralité du net. C'est un sujet qui est effectivement passionnant. 18h23. Et on parle de smartphone tout de suite. On Parce y que va. les smartphones, on aime ça sur 01 net. Je veux que Et je vous non. Bon, si tu veux, si tu veux, vas-y, vas-y. 01 net TV. <laughs> ouais. dirait Siri Point mais comme... euh, fatigué. Un peu. Ouais. Raphaël Grabi nous a rejoint. Salut Raphaël. Salut, Raphaël. Salut Jérôme. <laughs> ah, J'aime bien. Raphaël Grabi qui euh, vous le savez nous parle régulièrement de smartphone avec Jean-Sébastien Zanki. Ça va être le fight. Les amis. Il est amoureux, Ah, bon, Raphaël. ah bah oui. Non mais d'un côté, nous avons la vue, ah oui. de l'autre côté le 25 ah oui. ah oui. donc non, vous, vous allez voir. Ouais, bon, ça, oui, alors je ne sais pas pour si pour le, le match est vraiment est très euh, équilibré. Pas trop. Mais on va en parler dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez voter hein, ce soir, notre question zéro en est au rouge. Orange en oh, oh, rouge. Pas rouge, orange. <laughs> euh, C'est une nouvelle langue, ne vous inquiétez pas. Je suis en train d'apprendre une nouvelle langue et d'en créer une aussi Il au passage. C'est la mutation de l'été. C'est ça, exactement. Euh, et donc on vous demande de voter pour votre smartphone préféré sur ces six premiers mois de l'année. Alors il y a le OnePlus 5, il y a le Huawei P10, il y a le Galaxy S8, il y a le LG G6. Mmh. Faites-nous, euh, donnez-nous votre avis, on verra les résultats tout à l'heure. Le ou le, le le One plus 5, ouais. justement. <laughs> tu apprends ma langue. Apprends ta facile, ta langue. Non. Mais oui, mais je t'expliquerai tout simple, à l'heure. Oui, oui, je disais Raphaël est amoureux. Il est amoureux ah du oui. plus non, 5, Si j'ai bien compris, ouais. il ne nous parle que du One plus 5 oui, vrai. Non, mais j'ai eu un coup de Qu'est-ce qui se passe. Non, mais en fait, ce que j'ai, ce qu'on a essayé de se poser comme question, parce qu'évidemment, on les teste, on fait des top 10 en photo, tout ce qu'on veut, etc. Et je me suis posé une question, en fait, à la base, j'ai un ami qui m'a dit, voilà, j'achète quoi comme smartphone Tiens, on ne m'a voilà. jamais posé cette question. Voilà, qu'on pose régulièrement, <laughs> c'est vrai Jamais. Mais c'est vrai que c'est une question où, dans ce cas-là, il n'y a pas que la question euh, technique qui se pose, mmh. on se dit le rapport qualité-prix, etc. Et je lui ai recommandé le OnePlus 5, et je me suis dit que j'allais peut-être... Alors, je me suis concerté aussi avec Jean-Sébastien, et on va dire qu'on s'est à peu près mis d'accord pour dire que si on recommandait un smartphone à un ami, euh, un beau-frère, un cousin, mmh. etc., ce serait peut-être plus le OnePlus 5. Euh, parce Pourquoi que, alors évidemment, il y a un point qui est très important, c'est le prix. Il coûte mmh. 499 euros. Les autres, on va dire que c'est plus 600, 700, 800, 900, 1000 euros. Ça monte jusqu'à je ne sais pas combien. Donc c'est le meilleur rapport qualité-prix oui, du moment, oui, on va dire. Oui, c'est le meilleur rapport ouais. qualité-prix du moment. Mais euh, on va dire que ça pourrait être étonnant pour les lecteurs qui suivent OnePlus. Parce qu'en fait, il y a quand même une hausse de prix chez OnePlus mmh. qui a été d'ailleurs assez remarquée et assez discutée. Par les lecteurs et d'ailleurs un peu par tout le monde. C'est-à-dire que l'année dernière, les OnePlus, le OnePlus 3, il était lancé à 399 euros. Donc mmh. il, a, il a pris 100 euros dans l'année. Simplement, j'ai trouvé que cette hausse de prix de 100 euros, elle était complètement justifiée. Déjà, parce qu'au niveau du design, j'ai trouvé qu'il passait un vrai cap. Alors, c'est vrai, on peut dire qu'il ressemble un petit peu à l'iPhone 7 Plus, mmh. mais pas tant, pas tant que ça. En fait, ça leur a un peu porté préjudice parce qu'ils ont communiqué sur une photo où on voyait le double capteur comme ça. Euh, mais en fait, quand on le prend en main, il est quand même assez ouais. différent. Euh, après, en termes de puissance notamment, ouais. c'est juste pour moi le meilleur smartphone pour jouer. Mais ah il bon est au-dessus de la mêlée. Alors, il a le Snapdragon 835, etc. Mais con euh, d'autres smartphones. Je suis acheté le 11, mmh. le Xperia XZ Premium. Il euh, y a le S8, évidemment, qui n'a pas le euh, Snapdragon chez nous, mais enfin, qui a un Exynos qui est euh, une bombe atomique aussi. Euh, et sauf qu'en jeu, je ne sais pas pourquoi ce OnePlus. J'ai trouvé qu'il était supérieur à tous les concurrents. Euh, au niveau fluidité, etc. Ça fait un bon argument. Ça fait, fait un argument. Donc, il arrive à être supérieur à tous les, à tous les autres. Euh, ce qui m'a plu aussi, c'est le parti pris en photo. Déjà, en photo, si on prend simplement le capteur, on retourne sur les excellentes bases de OnePlus qu'il avait fait, par exemple, avec le OnePlus 2, c'est-à-dire qu'en des bonnes conditions lumineuses, euh, il est super performant. Il est derrière le mmh. S8, derrière le LG G6 et surtout derrière le HTC 11, oui. qui est vraiment le meilleur en photo pure. Mais il est très bon en photo. c'est pas le meilleur du monde. Mais c'est le meilleur mais C'est le meilleur équilibre. Voilà, le meilleur équilibre. C'est un mannequin. Voilà, et ça c'est l'autre chose qu'on peut dire, c'est un mannequin. Et justement, et ça c'est l'autre argument, c'est qu'il a, un second capteur qui a une focale différente, plus resserrée, comme l'iPhone 7 Plus, et donc il propose un vrai mode portrait, justement. Et le mode portrait, il est au moins aussi bon que que l'iPhone 7 Plus, qui est très bon sur l'iPhone. Mais celui-là, franchement, il est très convaincant. Et donc finalement, alors Tiens, on voit d'ailleurs cette... Bah, cette euh, bah, on voit très bien Noémie justement. Et on voit que d'ailleurs... Oui, Noémie d'un en... côté elle est un peu blanche, de l'autre côté, elle est... Voilà, euh... et on voit justement en basse lumière, là on était au labo. Donc ouais. Parce qu'elle c'était maquillé. Ouais. maquillé. différemment, non Non, c'était à deux secondes d'intervalle. Ah, et justement, on voit quand même que la photo à gauche, elle est un peu plus lumineuse, un peu plus détaillée, pardon. Ouais. Donc, euh, dans certaines conditions, il est même meilleur que l'iPhone 7 Plus. Donc voilà, alors... Bah écoute, n'en jette plus, tu nous non as convaincus. Bah hein. Voilà, écoute, donc c'est mon vous alors... une panette s'il vous plaît. Non mais après, il faut prendre des précautions parce que évidemment, je m'adresse à des gens qui cherchent le meilleur rapport ouais. qualité-prix. Évidemment, ils fonctionnent sous iOS. <laughs> voilà, logiquement, évidemment. Oui. Non mais d'ailleurs, en, en, hein. euh, en plus la surcouche est vraiment super, c'est ouais. hy hyper épuré, mais si vraiment sympa. Après, c'est pas non plus... Voilà. Le S8, si on a 800 euros à dépenser avec l'effet waouh, avec l'écran, en sûr. fait le S8, c'est vraiment si on va avoir le, le smartphone de demain, etc. Là, mmh. c'est le S8. Oui, avec le... les toutes dernières technologies. Exactement. On paye plus cher bien on sûr. On paye plus cher qui est plus innovant Raphaël, tu nous as convaincus. Bravo. Bon, alors, bon, alors Jean-Sébastien Sanky, là, euh, y... sort, sort les rames. Oui, le les rames. Euh, il va essayer voilà. de nous convaincre aussi. C'est surtout le smartphone qui sort les rames. Oui, c'est le, le smartphone ouais. qui sort les rames avec le Asus. Euh, donc... Dernier modèle d'Asus, puisqu'il hein, euh, faut quand même le savoir. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Asus fait des smartphones. Tout à fait, Asus fait des smartphones, euh, de, de bons smartphones. Euh, on a testé euh, il n'y a pas longtemps le, le Zenphone Zoom S, qui est très bon. Notamment, c'est le, le nouveau champion de notre top 10 autonomie. Il est excellent. Euh, mais là, c'est le Zenfone AR. Alors AR, c'est pour euh, euh, augmented reality. Augmenté de réalité. Voilà. Oui, euh, pourquoi Parce que ce smartphone est un smartphone compatible avec les technologies Daydream et Tango, Tango de Google. Hein. C'est-à-dire Daydream, c'est la technologie qui est euh, euh, dédiée à la, à la réalité virtuelle, donc avec un casque associé et une commande joystick qui permet euh, voilà de faire des de ce qu'on peut voir dans le casque et Tango, c'est leur système de réalité augmentée. Mm -hmm. euh, alors ce système euh, demande, exige euh, certaines certains capteurs supplémentaires, c'est-à-dire qu'au dos de l'appareil, on va voir qu'il y a non seulement un capteur euh, un capteur photo, mais aussi un capteur de, de profondeur, euh, un capteur infrarouge également. Euh, cela permet de bien se situer euh, dans son espace, de savoir exactement où sont les murs de sa pièce euh, et de pouvoir se déplacer autour d'un objet euh, qu'on pourrait placer comme on le voit là sur la démo on a placé une voiture au milieu de notre labo ou simplement un petit dinosaure voilà tout classique voilà tout simplement c'est normal un petit dinosaure qu'on salue il est coup. oui alors il y en a plusieurs on peut on peut choisir entre plusieurs alors c'est c'est intéressant ça fonctionne plutôt bien on va dire parfois les applications bon on sent qu'est ce qu'il a qui va pas alors on sent que les développeurs euh, tentent des choses. Euh, parfois, les applications sont euh, un petit peu compliquées. Ça marche pas forcément très bien. Euh, quand ça fonctionne bien, voilà, c'est parfait. C'est la réalité autour. augmentée qui marche la... pas bien. Alors la réalité augmentée. Et puis euh, c'est aussi sur la réalité virtuelle, euh, Il a un écran qui a quand même un, une résolution de 500, 515 pixels par pouce, donc on pourrait dire que c'est plutôt euh, plutôt bon. Mais en fait, quand on est euh, quand on a un écran de smartphone qui dans les yeux, c'est toujours le même souci, c'est qu'on voit euh, on voit terriblement ouais, les pixels bah, ouais. quoi. Et euh, au final euh, le, en fait, le, le, le vrai problème de cette histoire, c'est que les systèmes, le système Tango nécessite des capteurs supplémentaires, donc nécessite un matériel supplémentaire. Donc finalement, il n'y a que deux téléphones qui sont compatibles avec ça. Euh, mmh. C'est-à-dire un modèle chez Lenovo, le Fab 2 Pro, mmh. et celui-ci. Donc quand il n'y a que deux téléphones, les développeurs, ils ne se, bous se bousculent ah, pas ouais, au portillon, on peut venir développer donc, euh, qu quoi que ce soit. Hein. Donc le choix n'est vraiment pas immense. Et le problème, c'est que derrière, il y a Apple qui arrive hein, euh, avec mmh. iOS 11, AirKit. On voit déjà un engouement. Raphaël a parlé justement à un développeur euh, français qui euh, commence à s'amuser avec justement ses euh, capacités de, de développement qui sont... Incluses directement dans les nouveaux iPhones, enfin dans tous les iPhones mmh. depuis l'iPhone 6, ouais. si je ne m'abuse, mmh. euh, jusqu'au prochain iPhone. Donc là, on va avoir des Donc on pourra dizaines. Pourra faire de la réalité augmentée à oui, partir de l'iPhone 6. Oui, euh, sans avoir devices, de capteurs et... supplémentaires et autres. Donc c'est à dire que les gens qui ont déjà leur iPhone. En septembre, ils vont avoir des applications de la réalité ouais, augmentée qui arrivent. En, en un clic, euh, une mise à jour et ça sera ça sera disponible. Donc euh, ça va être compliqué pour euh, Google de lutter contre euh, Apple à ce niveau-là avec ce système Tango Alors qu'ils étaient les premiers. Alors qu'ils étaient les premiers. Et euh, effectivement, techniquement, oui, pourquoi pas, c'est convaincant, mais il y a peu d'applications. Les applications ne sont pas forcément abouties. Et euh, à partir de là, ça ouais. va être compliqué. Parce que, euh... Bon, les dinosaures, on en a vite fait le tour quand même. Hein. Voilà, alors c'est sympa de placer sa chaise au milieu de son salon, sa chaise virtuelle ouais. pour voir comment elle va avec sa table, mais euh, on va pas non plus très oui. très loin dans les au usages. Au moment on s'en lasse il n'y a pas un engouement fou autour de ça pour l'instant du côté d'Android combien coûte cet bon. Asus Zenfone et voilà c'est ça aussi il coûte 900 euros donc Pardon euh, il coûte 900 euros ah oui. donc euh, voilà ah oui. c'est un, un modèle haut de gamme hein, mais oui. euh, bon c'est euh, cher payé pour ce que ça propose pour l'instant ah ouais. et pour le reste photo et pour le reste interne, euh, en photo il est c'est pas c'est pas extraordinaire l'autonomie est plutôt pas mal mais pas non plus dingue après oui la puissance c'est Stand Snapdragon 821 c'est pas le dernier euh, de mm. Snapdragon donc Bon, on sent que euh, les constructeurs se cherchent encore beaucoup sur cette technologie, que c'est pas encore vraiment au point. Ah bah voilà, on, peut ah. pas, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Non. Oui, on vient de, attendez, dans mon oui, oui, on vient me qu dire que les ingénieurs d'ASUS oui. sont en train de pleurer là, je ne sais pas pourquoi. <laughs> Une espèce de. Et comme ils pleurent aussi de... chez Apple, tout le monde pleure. En <rire> <rire> de crise de sanglots bah oui, est là. Est... Euh, que là euh, et un contrat sur Jean-Sébastien Zanqui, c'est ça D'accord. Ah, oui, bon. euh, Jean-Sébastien, merci pour ce dernier 01 live. Hein. C'était un plaisir. Après, euh, on ne revoit pas à la rentrée. Merci alors, beaucoup. <laughs> merci. Bon, et vous, quel est le smartphone qui vous a le plus marqué depuis ce début d'année parmi les quatre euh, que nous vous proposons aujourd'hui C'est la question 01 Net Orange du jour. Eh bien, c'est toujours le Galaxy S8 qui est en tête. Bon, c'est pas très étonnant en même temps. Hein, euh... bah, si c'est la question, c'est celui qui nous a le plus oui. marqué. Moi, je partage c'est hein. ouais, clairement aussi, le S8. Voilà. Après, c'est celui qu'on peut acheter peut-être le plus facilement. Voilà. Mais c'est oui, vrai que oui, le, est... le S8, est, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le téléphone ah, là, qui là, ils est au-dessus ont... du lot oui, aujourd'hui. Oui, oui. au loin, dos. loin devant. D'ailleurs on avait froid le jour où il est sorti. <laughs> mais si c'était à New York et il faisait un temps de cochon. Mais, mais bien sûr, je m'en souviens. C'était il y a quelques mois. Là. Je m'en souviens, tu m'avais payé un burger après. sais pas pourquoi Pierre nous a passé cette image, mais bon, je ne sais pas. Écoutez, oui n'importe quoi. La prochaine fois, mais nous, François et Jérôme en maillot de bain. Oui, alors là, oui, c'est vrai que là, tu, tu veux faire exploser l'audience, c'est ça Oui, exactement. Mais exploser au sens euh, propre. Au mauvais hein, sens bien du bien terme. Exactement. Allez, on va s'arrêter là. Merci. Merci <laughs> de nous avoir suivis. N'hésitez pas à voter sur la question 01 Orange. Et on se retrouve, attention Attention Attention, be bon. careful bon. Parce qu'on est bilingue ici, on vous le dit. La semaine prochaine, dernier Zéro la vidéo de la saison. Yes. Mais on reviendra encore mieux Ce... l'année la prochaine. Enfin l'année prochaine à la rentrée. Donc on va essayer de vous préparer un truc sympa pour le dernier numéro euh, oui. juste avant les vacances. Hein C'est ça. On vous on va dit essayer pas, vous. mais ça devrait être pas mal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Le replay est disponible sur YouTube sur 01 TV. Très vite. à bientôt. Salut à tous.